Bonjour à tous, j'espère que les vacances pour ceux qui en ont profité ont été très bonnes. Nous sommes ici à Canécluse, je suis en présence de Denis Miguet qui est à la fois le maire de la commune de Canécluse mais aussi le vice-président en charge du tourisme au sein de la communauté de communes du Pays de Montereau. Comme vous le savez, nous souhaitons développer le tourisme vert et parmi le tourisme vert, améliorer l'accueil des camping-caristes qui n'ont pas aujourd'hui sur notre territoire de quoi pouvoir héberger. Donc nous avons décidé de lancer un grand programme de création de mini-aires de camping-cars qui seront équipés pour pouvoir vidanger les véhicules et se ravitailler en eau avec bien sûr possibilité de se brancher sur l'électricité et de le faire le plus possible à proximité des centres de village pour que les personnes qui viennent passer leurs vacances ici, une journée ou deux journées, puissent aller se ravitailler auprès des commerçants locaux. Et je suis donc en présence de Denis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va nous présenter l'aire de camping-car de Canécluse qui va être réalisé dans quelques semaines. Oui, donc là où on est au bout en fait de l'ancien camping municipal de Canécluse. Ça se situe après le City, après les aménagements que nous avons fait jusqu'à maintenant, la descente à bateau. Donc c'est un endroit qui va être justement très calme, qui permettra d'accueillir sur l'aire de camping-car donc jusqu'à 6 camping-cars à proximité du centre-bourg de la commune et dans une zone qui est, comme vous pouvez le voir, très jolie, arborée, avec la vue sur Lyon. Voilà, de quoi donc accueillir dans de très bonnes conditions les personnes qui veulent découvrir le pays de Montereau. Donc rendez-vous dans quelques semaines pour l'inauguration de cette aire de camping-car. Voilà, à bientôt.